Fais tomber le casque. Évidemment. C'est seulement un bruit. Tu sais très bien qu'il y a quelque chose qui a fait ce bruit. Arrête de dire des conneries, Lara. Je sens qu'on va se faire accrocher, genre comme quelque chose va nous attraper quand on va monter une paroi, non? T'as des cartouches de fusil à pompe aux épaules. Y a pas un fusil à pompe à récupérer? Oh! Oh bah alors! Oh putain, je suis devin! Venez, je vous attends. Nouvelle Ekimaki, fusil à pompe classique, utilisé par les trinitaires équilibrés et fiables. Non, n'importe quel, j'ai pas eu le temps de dire, ok, ça marche. Yeah! Baba Yaga a eu une petite upgrade. Ça doit être les soldats des trines, tout est plein. Je peux plus rien prendre. Alors, voyons voir. On a toujours un point, mais on peut peut-être augmenter le fusil à pompe, déjà. Alors bon, nous on en a deux, parce que nous, voilà. Il y a le Bishop et il y a le Sedge Gaywick. Ah, c'est un double canon. Ah, c'est sympa. Équilibré, fiable dans n'importe quel climat et en toute situation. Si le, fusil de chasse à canon juxtaposé basculant. S'il ne peut pas arrêter ce qui vous court après, fuyez. On prend celui-là pour faire style. Un accessoire. On fait quoi? On prend le bon vieux fusil à pompe classique? Ou alors le fusil à double coup? Le fusil à pompe classique, il a une meilleure précision et tout. Par contre, il est moins puissant, c'est ça qui est bizarre. Aller jusqu'à niveau 3. Je sais pas. On va prendre le classique. Pompe classique ? Ouais. Fait beaucoup de dégâts en tout cas. Fait beaucoup de dégâts. Allez, on est parti.
Ouais. Du coup, je pense qu'on a tout le matos. Pour bah, tout faire, en fait. On a le couteau, le... l'arc avec la poulie qui tire les cordes. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais je t'emmerde. Change d'arme, Lara. Merci. C'est l'heure de comme ça. Attends, non, c'est l'heure de trouver des cartes. Putain, Lara. Précision de près, hein. Très très précis de près. Faut que je bouge. Attends, on est bien là, non? Ah, regarde, regarde ça, il y a plein de cas. Oh la vache, ok. Bon bah c'est bon, on peut en combattre encore. Fais des flèches. Les champignons de la... de la défense est plutôt cool. C'est plutôt cool ça, ce système. Comme ça on peut se buffer. Dans le deuxième jeu, il y avait eu un passage exactement pareil, hein. Donc c'est qu'elle était dans le sang, avec des monstres. Je vois pas trop pourquoi ils sont allés pour la même chose. Enfin, c'est fun, mais... Tout est plein, je peux plus rien prendre. Il y a quelque chose qui bloque.
C'est parti. C'est parti quoi? Bon bah, c'est parti alors. Ouh, je l'ai vu au dernier moment. Je dois réussir à traverser. Oh le lag, arrête. C'est ça qui va me tuer. Combien il te faut de balles, de cartouches? Pas de date. D'étranges guerriers nous ont poursuivis à travers les grottes, mais nous nous déplacions trop rapidement pour les décrire avec précision. La majorité des soldats sont morts en combattant. Ils ont été vaillants, mais l'ennemi était plus fort et plus nombreux. Lopez, moi-même, ainsi qu'un soldat survivant, sommes arrivés à un temple splendide. Je me demande comment des hommes ont pu construire un tel édifice si profond sous la terre. Une porte massive nous a empêchés d'aller plus loin. Lopez, la voix agitée et haletante, a ordonné à Pérez, le dernier conquistador, de monter la garde pendant qu'il essayait de débloquer le mécanisme d'ouverture. La porte a fini par s'ouvrir, mais notre joie fut interrompue par les hurlements d'agonie de Pérez. Il me hante encore. Fallait avoir un fusil à pompe. Oh mon dieu, tous les pieux. Mais comment les mecs... Comment ils ont fait ça, les mecs, sérieux? Comment ils ont fait ça? Tu passais des années, non? Des heures? T'as fini à faire le Lord Dragon rang EX seul, je sais pas. Ça alors, y a quoi derrière cette porte? Il faudrait un peu de support, mais sûrement elle devrait faire les dégâts seule. Lara, t'es folle. Lara, t'es folle. Remonte Lara. Je sais pas vraiment où je vais là par contre. Je cherche un feu. La boîte est peut-être là. Ah oui, c'était juste une clé qu'on avait trouvée. Pas la boîte. Ouais, faut les faire chain aussi pour faire plus de dégâts par contre. Pourrait aider. Merde, il m'a vu. Ben, ça en prend non, des balles. Impossible. Je peux plus rien transporter. Ça en prend tout des est plein. Balles, cette merde. Je peux plus rien prendre. Des cartouches, je vois des cartouches partout sur les cadavres, mais Lara elle veut pas en prendre. Le mieux ce serait.
qu'est-ce que... Ok, là c'est très bien. Quand les mecs ils sautent. Ah ah ah. Et regardez le feu dans l'eau. Pas beau ça? Triple A. C'est sympa, hein. Ah si, ça y est. Non, je vais arrêter de lancer des pics. Je vais arrêter. Parce que ce moment il est plutôt cool, j'aime bien. Avec les monstres et tout ça là, plutôt sympa. Par contre, ils auraient dû faire en sorte que... Ah, la râle peut se cacher sur les côtés quand elle vise, je crois. Non. Non. Non, elle peut pas le faire. Ils auraient dû faire en sorte que ça soit plus précis. La caméra, elle est mal placée quand on tire. Bon, enfin bref. Feu grégeois. Ah, comme le deuxième. Le feu bleu là, non? C'est ça? Ah, yes. Yes. Recharge. J'aime pas aussi. Elle a mis deux cartouches dans le fusil à pompe, il y en a 7. Elle peut pas en mettre 7. Trop dur de. De rester réaliste. Je vois pas trop. Ah, ça là, là, là. Ce que je voulais faire. Ah là 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 là. Ah mais il y en a deux à faire. Ah faut que ça plonge. Ça plonge. Ça tombe. Il y a un mec sur la gauche qui monte. Qui monte la paroi. C'est marrant ça. Faire tourner la roue. Ok, ça c'est bien placé. Donc il faut faire tourner celui-là après. Et là évidemment ça s'accroche pas. Il faut, je crois qu'il faut monter et casser ça là. Ou alors flèche de feu. Non. Ok, faut monter. Lara, Lara, Lara.
J'adore quand vous m'aidez, le chat. Je vous aime. Ou alors on cède de ces trucs-là pour monter. Parce que là, il y a du bois, là, comme si on pouvait monter. Ouais, c'est ça. Voilà. Casse-toi, ça. Il lui a tiré une flèche tellement fort qu'il est tombé. On peut y aller là ou pas? Solution, on la connaît, mais on respecte ton choix de difficulté. Super. Oui. Oui. J'y suis presque. Il y a plein de monde. C'est rien. Pas tiré toi. Ah, j'adore le fait qu'on puisse se buffer, ça existait pas dans le deuxième. Quand on joue en difficile, c'est vrai que ça aide quand même. Ça aide beaucoup. Du coup, on repasse là-bas. Y'a pas un feu? Non. J'ai un peu peur là. Bon, comment on fait deux pour... Deux portes, évidemment. Mais ça doit être la dernière.
Une forteresse d'orc. C'est un peu ça. J'aime bien comme utiliser le machin qui te tire là sur la corde. Le jeu te le dit pas. Je le sais parce que en fait dans le deuxième jeu il y avait pareil quoi, il faut faire la croix. Mais le jeu le dit pas. Marrant, ça. Alors qu'il arrête pas de me répéter les mêmes le même tuto depuis le début du jeu. Quelqu'un a une idée là pour la deuxième porte? C'est là, moi je vois pas. Comment ça se passe là? Ah ouh! Ah bah non, là c'est pour revenir. Ça n'a pas débloqué de... Ça n'a pas débloqué de... Ah ça peut-être? De nouvel endroit? J'ai cru que c'est la physique qui déconnait encore quand je glissais vers le val. Ça va faire... Non, non, quand même pas. Tourner vers la porte, j'ai peut-être loupé un truc. Lara, tu veux pas m'aider là? Tu veux pas me... Ah, ça y est, je trouvais. Faut passer de l'autre côté avec la roue. Allez, go. Bon, on a le même système, une roue. Ah, ok. Ah, bon. Au final, il est pourri hein, le fusil à pompe. Il est vraiment pourri. Hein. Incroyable. Je me rebuffe au cas où.
Eh ben, très très déçu, hein, fusil à pompe. Pourtant, on a augmenté la puissance au maximum, je crois. Ou alors, il manque le niveau 4, mais c'est tout. Bon,